J'ai commencé, j'étais chauffeur. Un jour, j'ai décidé de laisser la direction pour venir dans la plantation. Je faisais plantation café-cacao. J'ai vu des gens dans la pisciculture et puis je me suis approché d'eux. On m'a appris, on m'a formé pour être pisciculteur. Le matin jusqu'à 10h, si je suis dans mon champ, à 10h, je nourris mes poissons. Bon, à 16h, je les nourris aussi. Mes fils, que je les ai appris à faire la pisciculture. Et ma famille travaille avec nous. Notre mari nous a donné 2 étangs. Nous-mêmes, on travaille à ça avec nos enfants et notre mari. Personne ne nous aide. Mais ils trient une chose, comme on appelle, ils ont 9 étangs, ils mettent dedans. On peut reproduire même beaucoup lorsque tu as le moyen de l'aliment. L'aliment a nourri tes poissons. Les difficultés que je pouvais rencontrer, c'était en manquant d'aliments. L'aliment et puis l'aliment, il faut payer. Voilà. Si tu veux faire 10 tonnes de poissons, il faut payer au moins 10 tonnes de l'aliment. Depuis l'an 2002, je vends du poisson. On peut prendre aussi chez notre mari et puis chez les autres personnes. Mes clients là, ce sont les grands-grands-mêmes qui payent. Quand j'envoie le gros cap là, 2 ou 3 au kilo, je les appelle, ils viennent prendre. Mais quand ce n'est pas trop gros là, je m'assois au marché, les gens viennent prendre. Les gens d'ici là ne payent pas normalement. Et puis quand ils prennent là, ils prennent ça en crédit. Aujourd'hui, on a besoin de nouvelles pratiques. Et des moyens, si on dit moyens, je n'ai pas dit donner l'argent. Parce que quand en Afrique, ici, on dit moyens, les gens croient que c'est la finance. Ce n'est pas ça. Moyens, d'abord, premier moyen, c'est la pratique. Apprendre quelqu'un à faire ça. Formation. Parce que ce qui m'a fait aimer dans la pisciculture, d'abord, première chose, c'est indépendant. Ce que tu fais, c'est ça que tu gagnes. C'est quelque chose qu'on mange, on donne. Tu peux servir quelqu'un. Et puis toi-même, tu es rechargé chaque jour, si tu en as. Si tu donnes un poisson à quelqu'un qui passe, tu lui donnes un poisson, demain il ne va jamais te oublier. Tu es devenu son homme.